Good morgen, allez, il y a une étude aujourd'hui, le Loïne Schmett, Mori Verbi, Shmuel Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahouda, Sarah Patran Rachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim Ben Sarah, si vous êtes aussi dédié à une prochaine étude de Mishnah à contacter les 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechet Menachot Perik et Mishnah Dalet. Vechaya vala Shemen Bifne Atzmo, Vala Levona Bifne Atzma. Nathan Alea Shemen Pesala, Levona Il Ketena, Nathan Shemen Al Sheyarea, Enover Belota Ase. Nathan Keli Algabe Keli Lo Pesala. On se rapporte sur la fin de la Mishnah précédente. Pour vous rappeler, on parlait de la Minchat Roté et Minchat Sota, c'est la même chose, Minchat Kenaot. Deux Menachot dans lesquelles la Torah l'a précisé, Lo Itzok Alea Shemen Velo Iten Alea Levona. Interdiction de mélanger dans ces deux Menachot, de mélanger de l'huile et de mettre de la Levona. Tout est cité dans un même passage dans la Torah. Lo itzok alea shemen, velo iten alea, lo yassim alea shemen, c'est rapporté ici, dans le dernier Barthénois de la Mishnah précédente. Lo yassim alea, c'est intéressant, j'ai l'impression qu'il y a marqué lo itzok alea shemen, peut-être c'est deux psukim différents. Lo yassim alea shemen, velo iten alea levona. Maintenant, la Mishnah m'enseigne, même si c'est dit dans un même verset, sache qu'il y a en cela deux interdits de ce fait. Vechaya vala shemen bifne atzmo, vala levona bifne atzma. Il sera chayav, celui qui transgresse ses interdits, indépendamment sur chacune des actions. Il transgressera de nouveau, il sera chayav, malkot, de nouveau. S'il a versé de l'huile sur la mincha, il aura transgressé un premier interdit, il sera frappé. Et si ensuite il met de la levona dessus, il transgressera un deuxième interdit, il sera de nouveau frappé. D'accord? Et en cela un chidouche qu'on va expliquer juste après. Pour le moment, on continue la suite de la Mishnah. Natan aleya shemen pesala. Levona il ketena. Question. Maintenant, on a transgressé, on a fait la bêtise, on a mis ce qu'il ne fallait pas mettre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La mincha, elle était invalidée ou non? Alors, la Mishnah m'enseigne. Si tu as mis de l'huile, tu l'as invalidée. Parce que tu ne peux plus retirer l'huile. Mais si tu as mis de la levona, la levona, tu peux la ramasser et il n'y aura plus de levona, donc ça redeviendra permis. C'est ce que la Mishnah m'enseigne. S'il a mis Nathan alé Hachemen, s'il a versé dedans de l'huile, Pesala, il a rendu invalide, il a transgressé l'interdit, certes, mais il a même aussi rendu invalide, il a invalidé la mitra qu'elle ne pourra plus être offerte au misbéar. Levona, il ketena. Et s'il a mis de la levona, alors il pourra la, il ketena, l'ilkot, ça veut dire récolter, il la récoltera, il la ramassera, il laissera la semoule comme elle était initialement. D'où la question sur le début de la Mishnah. Je vous présente la situation simple. La toile m'interdit de mettre de l'huile et de mettre de la levona. Mais c'est à condition que cette mincha, elle est en direction du misbéach. Si la mincha, elle a été invalidée, par exemple, si elle a été impurifiée, alors je ne transgresserai plus d'interdit de mettre de l'huile dedans, puisque ce n'est plus une mincha qui va être consommée. Elle est devenue invalide. D'où la question maintenant, rapportée, soulevée par Tosot, rapportée ici dans le Tosot avec Eveiger. Il soulève la question très intéressante que la Mishnah m'enseigne. Il y a une marquette, en fait, il y a un avis dans Tosot qui ne pense que. Qui pense que on transgressera le double interdit, même si on commence par mettre l'huile et qu'ensuite on continue à mettre la levona. Même si on fait un très grand ridouche, parce que depuis le moment où on a mis l'huile, la mincha elle est invalidée. Donc quand tu mets la levona, c'est plus une mincha. Malgré tout, on transgresse l'interdit. C'est comme ça que ça va porter dans tout spot. Maïre afil ou bemincha achat, shenatan shemen verchakar levona. Avdek var nifsela bematan shemen mikol makom chayav ala levona. La Torah, elle a rendu malgré tout l'interdit. Ok. Suite de la Mishnah. Nathan Shemen al Sheyarea et nos verbes l'otase. S'il a versé de l'huile sur les restes de la mincha, il transgressera plus d'interdit. C'est le même principe que on l'avait déjà vu en fait, Beferouche, en haut, à propos de Ichmitsu Sheyarea. C'est-à-dire, alors, on parle de Ichmitsu, maintenant on parle de Shemen. Je m'explique. On avait évoqué dans le Barthénor en fait. Il y a la mincha, elle est là devant nous. Il va falloir prélever l'échantillon. Et après, on va faire brûler l'échantillon. Depuis le moment où on a prélevé l'échantillon, le reste qu'il y a là, c'est devenu les shiraim de la mincha. Et on avait déjà appris qu'on peut en faire ce qu'on veut, à une seule exception, on n'a pas le droit de le rendre hametz. On n'a pas le droit de le faire fermenter. Mais par rapport à la cuisson, tu peux le faire cuire. À l'huile, au feu, tu peux mettre de l'huile, tout ce que tu veux, tout est permis, même en ce qu'on avait dit, même manger avec du ketchup. D'accord? Donc, c'est ce que la Mishnah m'enseigne. S'il a mis de l'huile sur les restes, une fois qu'il a prélevé le kometz, alors elle pourrait être consommée. Il n'y a aucun interdit.
Maintenant, la Mishnah conclut en me disant Natan Kli Al-Gabe Keli Lopesala. S'il a mis un ustensile sur un autre ustensile, il ne l'a pas invalidé. On explique et on apporte deux précisions importantes. On est en train de parler que j'ai la mincha, interdiction de verser dedans de la levona, par exemple. Or, la levona, si je la mets, je peux aussi la retirer. Mais malgré tout, la Torah m'a dit, tu n'as pas le droit de mettre. Tu n'as pas le droit de mettre de la levona. Même si tu peux la retirer ensuite, tu as transgressé l'interdit. Question maintenant, si j'ai mis la levona dans un petit ustensile et j'ai mis l'ustensile dans le kli où il y a la mincha, est-ce qu'on transgresse ainsi l'interdit? Ou est-ce que la cuillère intermédiaire fait écran entre la solette et la levona? Et la Mishnah m'enseigne, ben sache que tu ne l'as pas invalidé. Une phrase un petit peu floue, tu ne l'as pas invalidé. Ça pourrait laisser entendre que tu as transgressé un interdit, mais tu ne l'as pas invalidé. Sur ça, il y a le Tosfot Yom Tov, il nous rapporte au nom du Rambam, même si c'est rapporté directement dans le Barthénora plutôt, Velom Rinan Areavar, Al-Mashikatov Batora. Parce que la Torah, elle n'a pas transgressé, elle n'a pas interdit ça. Il fonctionne, il va selon le Rambam, qui pense qu'il n'y a pas d'interdit du tout. On n'a pas transgressé d'interdit, étant donné que ça se retrouve dans un ustensile indépendant, donc qui n'a pas en rapport avec la solette. Et en cela, il y en a qui discutent, mais bon, on n'a qu'à le Chem Mishnah rapporté dans le Kaveger, il pose la question. Il y a marqué dans le Mishnah que ça n'a pas invalidé, mais ça veut dire qu'il y a un interdit, sauf que tu n'as pas invalidé. Et c'est répondu. Maintenant. Remarque très 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 intéressante du Tiferet Israël qui veut donner un petit peu plus d'allure à la halakha qui est écrite ici. Apparemment, c'est un peu original de croire qu'on a pu transgresser un issour, de prendre une cuillère où il y a dedans de la levona, de la mettre sur la mincha, et comme ça on transgresse un interdit. C'est étonnant, pourquoi tu veux transgresser un interdit? Un kli, si la levona tu la laisses dans un ustensile, tu ne l'as pas mise sur la solette apparemment. Et de répondre qu'effectivement, non, ça s'appelle, concrètement, il y a le même exemple dans la Torah, dans un cas de figure, où on a la levona qui se trouve dans un ustensile, posée sur un ustensile, et qui est considérée qu'elle est mélangée avec le reste. Où ça se trouve? Dans le Lechem Bapanim, les 12 pains du Shabbat. On avait dit qu'il y avait la table en or, et il y avait deux rangées de 6 pains, un sur l'autre. Et il y avait entre les deux pains, il y avait deux cuillères où il y avait dedans la levona qui était posée dessus. Et tout ça, ça formait une seule mincha. Et le fait de ramasser les deux cuillères où il y avait dedans, je dis des cuillères, c'était des petits verres, je ne sais pas exactement à quoi ressemblaient les basirines. Mais en tout cas, le fait de lever ces deux basirines fait que c'est ça l'action de lever le kometz. Tu constates que dans une mincha, si tu as la levona posée dans un ustensile, c'est considéré que la levona, elle est mélangée avec la mincha. En théorie, tu avais vu un cas de figure semblable à propos du lechem apanim le Shabbat. De ce fait, la Mishnah, elle avait besoin de te préciser en te disant, sache que c'est vrai pour le Shabbat, mais c'est pas vrai pour les minchot, pour les minachot classiques, où cette fois-ci, quand la Torah m'interdit lo iten ale à levona, il ne mettra pas de la levona, l'intention de la Torah était de dire, tu feras pas avec cette mincha ce que tu fais avec les autres minchas, là où tu mélanges la levona complètement. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.